Environ 5 millions de Canadiens souffrent d'eczéma, une condition de la peau qui entraîne des démangeaisons, de l'inflammation et de la sécheresse cutanée constante. Pour bon nombre de ces gens, les crèmes sur ordonnance étaient la seule option thérapeutique. Toutefois, de nouveaux produits en vente libre pourraient également soulager ces patients. Amanda Criswell-Menville souffre d'eczéma. Elle est également la présidente de la Société canadienne de l'eczéma. Les gens qui souffrent d'eczéma subissent des éruptions cutanées récurrentes. Plusieurs facteurs environnementaux peuvent déclencher ces épisodes, comme les changements de saison et les fluctuations de température. Les couches supérieures de la peau des gens qui souffrent d'eczéma contiennent moins de lipides. De plus, le film protecteur de leur peau est endommagé, ce qui entraîne la perte d'hydratation anormalement élevée. Les options de traitement pour la perte d'hydratation cutanée varient, mais nous recommandons aux gens de suivre notre triangle de contrôle, qui consiste en des bains fréquents, l'application régulière d'hydratants et l'utilisation de médicaments sur ordonnance. Nous recommandons aux patients de prendre des bains fréquents et de ne jamais se laver avec des savons ou des gels très parfumés, car ces produits peuvent déclencher une éruption. De plus, il est préférable d'appliquer une crème très hydratante immédiatement après le bain ou la douche. Les gens qui souffrent d'eczéma peuvent également utiliser une crème douce comme la crème hydratante Soins de l'eczéma d'Avino. Cette crème a été conçue de concert avec des dermatologues spécifiquement pour les gens qui souffrent d'eczéma et elle ne contient aucun parfum, ni colorant ou stéroïde. Lorsque la peau d'une personne qui souffre d'eczéma est exposée à un élément déclencheur, des globules blancs se précipitent à la surface de la peau, ce qui engendre une démangeaison qui, elle, entraîne une réaction chimique qui cause ensuite une inflammation. Le fait de garder la peau bien hydratée minimise les risques d'inflammation. Après le bain ou la douche, ou après tout contact avec de l'eau, comme lorsque vous lavez vos mains, il est préférable d'éponger doucement la peau et de laisser un peu d'eau à la surface. Vous appliquez d'abord votre médicament sur ordonnance sur les régions atteintes et ensuite une crème très hydratante sur toute la peau. Prenez le temps d'appliquer l'hydratant plusieurs fois par jour afin de maximiser l'hydratation et de bien contrôler l'eczéma. La crème hydratante Soins de l'eczéma et le gel nettoyant Soins de l'eczéma d'Avino sont les premiers produits à porter le sceau de la Société canadienne de l'eczéma. Pour en savoir davantage,